Welcome to... Londres, 1886. La révolution industrielle bat son plein. Mais des rebelles et des dégénérés sèment le trouble dans nos rues. C'est mon devoir de les en empêcher. Mais ma tâche s'est complexifiée lorsque le fléau Lycan a commencé à gangréner le cœur même de la ville. Mon nom est Galahad, et je suis chevalier de l'ordre chargé d'éradiquer ces fléaux d'Angleterre. Sont les insignes adéquats. Les uniformes de Whitechapel n'avaient pas d'insigne d'épaule. En effet. Tiens-moi informé. Des gardes ? Tourne-toi, que je puisse voir. Il a un insigne, ok. Insigne confirmé. Le garde le plus proche d'Hastings, c'est ok. Excellent. Occupe-toi des gardes restants. Pas d'insigne. Perceval, on a un rebelle au niveau 0. Compris. Continue de chercher. Ok. Je peux mettre un headshot ? Je n'arrive pas à voir la bonne épaule. Elle tourne. Bon sang, pas d'insigne. Il y a un rebelle sur le balcon de l'autre côté. Bien sûr, passe-les tous en vue. Bon, lui, c'est bon. Un insigne. Perceval, le garde en haut des escaliers n'est pas un usurpateur. Bien, cherche encore. C'était le dernier. Bien, élimine toutes les menaces. Bien compris. Oh, c'est énorme. Arme chargée. Bonne chasse. Un de moins. Il n'y en a plus qu'un. Lycan ! Des rebelles ! Faites sortir Hastings ! Faites-le sortir ! Énorme. Oh putain. Hastings est enfui, besoin de renfort ! Attention, passe au camp B ! Perceval, cible à terre ! Rebelles en approche, j'ai besoin de renfort ! Entendu. On te rejoint tout de suite. Ok. Je peux voir d'où ils arrivent. Il faut bloquer leur point d'entrée à tout prix. Putain, ça va être chaud avec le sniper là. Putain, il y en a de partout. Merde. Putain, c'est chaud là. Ah, je fais défoncer. C'est quoi ce couvert de merde que je me suis pris là? Oh putain, il y en a tellement partout, oh mon dieu! Ouais, ça c'est mieux hein, quand même. Hein. Putain. Ouais, c'est ce qu'il me semblait. Sortait trop haut. Ouais, je vais m'occuper de vous. Ça les protège bien ces conneries là. Putain. Ouais, tu peux le dire là. Ah putain, à chaque fois je me fais avoir, j'ai pas assez d'énergie. Où est le dernier à l'étage là? Allez, sortez là, bande de lâches! Putain. Tiens, bâtard! Vas-y, je sais. Le mec, il a le cœur dans le bras. C'est quoi ça? Putain, une grenade, ça m'aurait été utile un peu avant. Oh
Merde. Oh merde! Oh mon dieu! De tuer. Salut les gars! Il y en a en haut. Je suis pas bien du tout. Allez, sortez là! Putain, c'est pas vrai. Faut que j'aille de l'autre côté, vraiment. Là. Et merde, il y en a en haut, je suis mal. Merde. Calade! Les rebelles nous ont posé une ville résistante. Ils sont combien sur cette fichue dirigeable? Putain, il me faut des balles là, merde. Mes amis, les gardes de la compagnie sont passés en alerte maximale. Les amateurs ont tiré sur deux juges. C'est quoi comme gun ça? Bon, je regarde le sniper. Dégage, bordel! Oh mon dieu! Oh. Maîtrisé! C'est tout? Ok, c'était juste pour un autre gars. C'est bien là-bas que je dois aller. Oh putain! Qu'est-ce que c'était ça? Une bombe vient d'exploser près du moteur avant. Oh, merde. Écoutez, on se replie. Oui, madame. Toi. Écoutez, un chef rebelle est à bord. C'est la femme de Whitechapel. Je la poursuis. Oh, t'es sérieux là? Ne la laisse surtout pas s'échapper. Il est où le dernier? J'étais là. Satané rebelle. Oh putain, j'ai plus de balles. Fuck, hein. Tant pis pour le sniper. Calade, reste sur la cible. Oui, j'y vais. Perceval, j'ai pu capturer l'un des rebelles. Parfait. Attachez-le bien, je serai bientôt là. Putain, il est parti par où? Les gars, attention, l'équipe d'intervention d'urgence AP12 et P13. Oh merde. Ils ont foutu. Allez, cours! Oh, ça craint là. Fumigène, très bien. Bon sang! Perceval, j'ai perdu la cible. Je continue mes recherches. Négatif, rends-toi aux embarcations. Il y a plus grave. Les rebelles disposent d'un second dispositif. Oh merde, bon sang. Très bien! J'arrive tout de suite. Mmh. Je suis sûr que c'est pas des méchants, les rebelles. Ouh, c'est ça ton idée du raisonnable. Nous n'aurions pas pu anticiper de telles circonstances. Ta mission à Whitechapel était de rester caché. Les derniers rapports font état de nombreux morts, mais aussi de la destruction de l'hôpital royal. Et maintenant ça? Je compte bien tenir ma parole. J'assumerai seul la responsabilité de toutes les conséquences éventuelles. Sébastien, tu auras compris que je ne peux pas faire grand-chose pour te protéger de la colère du grand chancelier, ou même de l'ordre. Ton père entendra raison. L'urgence, c'est de trouver ce second dispositif avant qu'il n'explose. Chevalier, je vous prie, nous devons quitter ce dirigeable avant que ça se dégrade. Messire Lucan vous escortera et supervisera l'évacuation. Nous devons continuer les recherches. La situation nécessite l'intervention de tous. Il est impensable que vous restiez à bord. Nous nous rejoindrons dès que possible. Izzy, occupe-toi d'eux, puis rends-toi au cockpit. Non, je viens avec toi. Izzy, tu dois trouver Lafayette et partir d'ici. J'ai... Ton frère m'a chargé de te ramener saine et sauve. Fais-le. Pour moi. Il faut des armes. Il y a un poste de garde pas loin. Nous utiliserons les armes de la compagnie. Ok. Attends, j'adore les largages, ils sont épiques. Trouvez les saboteurs rebelles. Les rebelles vont envoyer quelqu'un pour détruire le second dispositif.
Le chef rebelle et un de ses complices se sont échappés pour mettre en œuvre un plan d'urgence. Ça doit être ça. Je suis d'accord. Retournons-y. Mais comment il est au courant pour le second dispositif, lui ? Je reste ici. Essaie d'accéder au dépôt d'armes. Oh oui. Des guns. Allez. Cette fois-ci, on va pas le fail, celui-là. Voilà. Les rats de la compagnie quittent le navire. Bande de lâches. Ça, c'est de l'arsenal. C'est quoi ça? D'accord. Une gun normale. J'ai quoi comme arme? Prendre des munitions de ça. Ouf, ah oui, j'ai le choix en fait. Moi je préfère celle-là. Donc on est parti. Très bien. L'intendant a assez chargé ce dirigeable pour équiper une petite armée. Les gardes de la compagnie ne sont pas connus pour être très subtils. Quel intérêt pour la compagnie de disposer de sa propre armée ? C'est louche. C'est vraiment louche. Qu'est-ce que ça dit, ça ? Manuel technique et de formation à l'attention de l'équipe. Bon, manuel d'évacuation, très bien. Des rebelles nous attendent peut-être. Attention. Je me tiens prêt. Elle a éclaté la chutron. À l'attention de toutes les personnes encore à bord. Pas de panique. Occupe-toi de la porte, je te couvre. Salut. Tout ça pour le tuer, que ça. Oh putain. On va y rester dans ce dirigeable, moi je vous le dis. Salut. Quoi, une piece of shit? Ennemi à terre. Oh, j'adore cette arme. Aïe 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 aïe. Oh merde. Oh what the fuck. Oh énorme. Ah c'était le moment parfait là. C'est bon. Continue. Fou. On doit trouver ce second dispositif. C'était moi une. Oh j'ai plus de bol là. Par contre, cette arme a des chargeurs de psychopathe. Hein. Rebelle neutralisé. Merde, putain. Putain, ils sont chauds, les gars. Ah, fuck, fuck. Putain, je prends tellement cher. Oh, ce vieux cri. Nous devons poursuivre la cible. Ok. Ah mais ils ont les mêmes armes que nous, ces salauds, c'est pour ça qu'ils font si mal. Ok, c'est clean. Non, 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 non. Merci. Allez, c'est parti. Je l'ai. Tiens, Grayson, tu peux passer. Je peux enfuir. Les grands-pères, quoi. Attention! Oh merde, c'était ouf. Là, tu l'as échappé belle, mon cher. Un peu trop à mon goût. N'insiste pas! Il faut faire autrement. Le temps presse! Continue sans moi! Je trouverai un autre passage! Ne perds pas la cible! Bon, c'est bizarre, hein. C'est vraiment louche. Des munitions? C'est quoi ça? Hein? Bon voyage! Oh putain, merci! Bon, et comme par hasard, ça s'écroule pile quand je passe. Je suis un peu d'accord avec Hugues, moi. Oh putain.
Oh, vous êtes sérieux là, il y a encore du monde qui va arriver par là, c'est ça que vous me dites là? Salut, salut! Je fais que passer, hein. Là, ça y est, qu'est-ce qui se passe? Les dégâts de l'explosion s'aggravent! On peut stabiliser le dirigeable longtemps? Pas bien longtemps, monsieur! Oh merde, lui il est blindé, lui! Oh putain, il fait chier, bordel! Oh, je vais me faire défoncer! Ouf! Putain, ceux-là ils font grave mal, hein. De bol. C'est génial. Perceval, il y avait des rebelles dans les cabines. Je m'en suis occupé et je continue maintenant la traque. Entendu. J'avance vers l'arrière du dirigeable. Ce shotgun, 3 coups. C'est énorme. C'est pas une grenade, ça? Non, c'est pas une grenade. Donc voilà. Munitions. Qu'est-ce qu'on peut voir là? Eh ben... Non plus. Ok. Bon, j'ai une... Ah, c'est par là. J'ai une grenade, normalement, c'est ça. Donc là, faut que je descende jusqu'en bas. Ah. On dirait qu'il y a du people. Oh merde! Lafayette! On a perdu plusieurs réservoirs de gaz! On peut le dirigeable! Oh fuck! Il y a plus pour s'en partir! Il s'est plus que toi! Ok, il faut abandonner le dirigeable! Y, il le faut, assomme-le et traîne-le jusqu'à une embarcation de sauvetage! Galade! Ne tire pas! On n'a plus le temps, Perceval! Il faut l'arrêter! Fais-moi confiance, Grayson! Pitié, écoute! Allez, baisse ton arme! Vous n'avez aucune idée de ce qui se passe! Vous vous trompez d'ennemis! Alors prouve-le! Arrête cette folie! Non! Pas tant que la compagnie continuera d'agir en toute impunité! C'est fini! Je m'y engage! C'est trop tard. Sébastien ! Hey. Tu n'as pas à faire ça. Oh ! Ygraine pour Perceval. Réponds, Perceval. Galad, réponds-moi. Gray, Sébastien, répondez. Allez. Oh putain. On est dans le mal, les amis, on est dans le mal. Mais je suis où là? Je suis à terre. Oh, what the fuck, on a vraiment atterri, d'accord. Ah oui, c'est sévère. Oh my god, ce jeu est tellement épique. Je kiffe vraiment. Putain, j'entends les gens crier. Oh, c'est tellement violent. Oh mon dieu, quelle horreur. Oh, c'est horrible. Vas-y mec, faut y aller là. Gray. Oh, bon sang, réponds. Easy, je suis là. Hein? Izzy, tu m'entends?
marche pas très bien. Merde. Super. Ok, faut qu'on se barre d'ici. Oh merde. Oh merde. Il est mort ? Oh fuck. C'est lui là ? Oh putain. Ouf. Ok. Ouf. Oula, allez, vas-y, vas-y, vas-y. Cours, cours, cours. Oh putain. Lucan, Sagramor, Elian, on a perdu le contact avec Perceval et Galahad. Tous les chevaliers près de Crystal Palace en état de se battre, coopérez. C'est moi. Gray ? Ouf. Gray, réponds. Où es-tu passé ? Écoutez, Galahad est en vie. Fuck. Trouvez-le. Vas-y, Hulk. Allez ! Oh putain, c'est horrible. Vas-y, mon gars, vas-y. Ah non, il est vraiment là en fait, c'était pas lui tout à l'heure. Oh merde. Seul. Vous deux allez au conseil. Gray. Ça va, Izzy. Vous verrez à la succession. Mes pensées sont avec vous, monsieur. Mes condoléances. Messire Perceval était un grand homme. Le meilleur d'entre nous. J'ai pris la liberté de mettre ceci de côté. Je sais que le protocole l'interdit. Oh putain. Oh my god, qu'est-ce qu'il savait lui ? Qu'on savait pas. Chose là-dedans, j'ai pas vraiment l'impression. Grayson, ne pense plus à ce qui est arrivé. Laisse le temps faire les choses. Il est louche, lui. Mais comment ? C'était mon mentor, mon frère. C'est vrai. Mais concentre-toi plutôt sur les solennités à venir. Le reste peut attendre. Trop de questions demeurent à Alastair. Je compte trouver des réponses.
Mallory sera vengée. Ne te laisse pas envahir par les sombres pensées de la vengeance, ou la folie l'emportera. Allez, le conseil attend notre présence. Lord Hastings revient de la United India House. Il veut te remercier en personne de lui avoir sauvé la vie, et celle de tout le monde sur le navire. La United India Company te doit sa reconnaissance. Super. Il a l'air super content, Gray. Pendant plus de 6 siècles, le chevalier Sir Perceval a fait partie de la confrérie. Il a vu des royaumes entiers périr, et d'autres tout aussi éphémères prendre leur place. Il a connu l'émergence des hybrides, et les a inlassablement poursuivis. Il fut témoin de toutes ces choses, car il a été béni par ceci. Le Graal. Ah putain, c'est le Graal. L'eau noire qui coule dans nos veines. Putain, il avait raison, quelqu'un dans les commentaires a dit qu'ils avaient le Graal. Le lien qui unit cet ordre. Qu'est-ce qui les a vivent si longtemps? L'élixir qui guérit toutes les blessures et prolonge la vie du commun des putain, mortels. Il avait trop raison. Mais il ne peut assurer l'immortalité. Hélas, Sébastien Mallory, dit Sir Perceval, est mort. Le titre chevaleresque est donné par tradition dans notre ordre uniquement à l'occasion du trépas du membre honoré par ce fardeau. Génération après génération, des chevaliers ont repris le nom de leurs saints prédécesseurs. Nous voici réunis aujourd'hui en cette occasion solennelle. Du sang d'antan. Le Graal redonne la vie. Jures-tu, Marie-Joseph, Paul, Yves, Roch, Gilbert Dumotier, Marquis de Lafayette, de faire respecter les nobles préceptes de notre ordre? Fais-tu le serment de consacrer ta vie à notre cause vertueuse? Oui, de tout mon cœur. Vois, que le Graal t'offre la vie de l'autre vie. Par cette communion, tu es voué à notre ordre sacré. À présent, seul ton sang pourra remplir cette fiole. Que cette eau noire soit ton allié, n'en use qu'avec sagesse. Je t'adoube, Sir Perceval. Serviteur de notre grand roi et chevalier de la Table Ronde. Lève-toi, Sir Perceval, et prends la place qui est tienne à notre table. Garde ! Enlevez le corps de Sébastien Mallory de la chambre du conseil et mettez-le dans la crypte. D'accord. Donc c'est bien les cheveux de la table ronde. Et c'est bien le Graal. Putain, il est mort. C'est nul. La séance est maintenant ouverte. Que la terrible tragédie qui nous a tous frappés servent de leçon à ceux qui voudraient défier le mandat de ce bureau.
Feu Sébastien Mallory n'est pas tombé en affrontant les hordes d'hybrides. Non. Il a succombé à sa propre folle témérité. En faisant fi de ceux qui ont juré de vivre conformément à un sens du devoir et du sacrifice. Pour quel résultat ? Grand chancelier, je dois... Des bâtiments détruits ! Des braves citoyens mis en danger ! Des dégâts considérables causés à une propriété de la United India Company ! Quel enfoiré. C'est uniquement grâce à la Providence qu'une catastrophe plus grande encore a été évitée. Et ce faisant, pas un seul rebelle n'aura été capturé. Bien au contraire, par leurs actes isolés, les chevaliers en question ont rendu un service à l'ennemi. Le grand chancelier se montre trop sévère. Il devrait se rappeler que l'escouade de Sir Perceval a trouvé des indices prouvant c'est que les rebelles attaquent. C'est satanée preuve indirecte. Spéculation, tout cela conduit à un véritable fiasco. Je ne veux plus rien entendre. Sauf votre respect... Asseyez-vous, Sir Galahad. Sauf votre respect. J'ai aussi perdu un ami. Plus qu'un ami. Un frère. Vous avez tort de ternir son nom de cette manière. Votre comportement frôle l'insubordination, messire chevalier. Je suis parfaitement conscient de ma responsabilité dans cette affaire. Et pourtant, si les mêmes événements se reproduisaient, j'agirais exactement pareil. Comme Mallory le souhaitait. What the fuck?